Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons Makanera Alousseini Kaké. Il est le président du Rassemblement national des indépendants, RNI. Il est venu dans l'invité pour décortiquer l'actualité guinéenne. Alousseini Makanera Kaké, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes venu pour parler de l'actualité en Guinée. Vous êtes leader d'un parti politique. Alors, quels sont, à votre avis, les actes salutaires issus de ces 100 jours du gouvernement de la Troisième République? Je voudrais d'abord commencer par l'acte qui a une portée extrêmement importante pour la Guinée et l'Afrique en général, c'est-à-dire l'élection d'une manière démocratique et pour la première fois en Guinée du professeur Alpha Condé. Cet acte est hautement salutaire. Pour la simple raison en Guinée, si hier, lorsque vous êtes déclaré candidat, on se souciait beaucoup plus de combien de maisons vous avez, combien de milliards vous avez en banque, personne ne demande votre moralité, votre intégrité ou bien votre capacité à gérer le pays. Si aujourd'hui, Dieu a voulu que celui-là qui a été constant dans son combat, qui a renoncé tout pour son pays, est devenu premier président de la Guinée démocratiquement élu. C'est un acte salutaire. Nous, en parlant maintenant des actes que le professeur a posés, nous avons toujours dit que le peuple de Guinée ne souffrait rien d'autre que le non-respect de la loi. Le président a promis que durant son mandat, il fera en sorte que la loi soit respectée. Et il a déjà commencé. Deuxième élément, c'est la mauvaise gestion, c'est-à-dire la mauvaise allocation de nos ressources humaines et financières. Et vous avez vu, avant-hier, il a parlé de l'unicité de la caisse de l'État. Parce qu'avant, tout fonctionnaire qui a une caisse, il l'utilisait comme si cette caisse n'a pas de propriétaire. À ses propres fins. Il dit qu'il va mettre fin à ça. Je vais vous donner un petit exemple concernant le problème de riz. Vous savez, depuis des années, quand vous allez dans les boutiques, vous payez un sac de riz, vous n'avez que 45 kilos. Si on multiplie les 5 kilos qu'on réduit dans le sac de riz, pour une tonne, vous perdez deux sacs. En tenant compte de la consommation annuelle de la République de Guinée, qui est de 300 000 tonnes, le peuple de Guinée qui paye ce riz perd 30 000 tonnes. Les 30 000 tonnes représentent aujourd'hui 16 millions d'euros environ. Les 16 millions d'euros, c'est dans les environs de 100 milliards. C'est dire que, ne serait-ce que dans ce domaine, en peu de temps, s'il règle ça, c'est qu'il a réglé beaucoup de choses, hein, pour le peuple. Alors, avez-vous le sentiment que ces 100 jours ont été marqués par des entraves? Si oui, lesquelles? Bon, toute action humaine, vous avez toujours des entraves, mais pas souvent insurmontables. Dieu même a dit dans le Coran, Khalaqal insan fi kabadi. Je n'ai créé l'homme que pour rester dans les difficultés. Mais si vous avez suffisamment de ressources pour contourner les difficultés, vous pouvez réussir. Donc les entraves, c'est que en général, l'homme n'aime pas le changement. Parce que le changement est coûteux. Il a dit que ça va frapper tout le monde. Donc, il y a des réticences. La manière dont on gérait le pays avant, tout pour moi, rien pour les autres, pour enlever ça, ça va être difficile. Mais quelles sont ces entraves? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, je peux en citer. Par exemple, ceux qui avaient l'habitude d'utiliser l'État pour s'enrichir, ceux-ci n'accepteront pas à ce que la situation change. Il y a d'autres entraves. Je vais vous expliquer, par exemple, la rumeur. Et les fausses déclarations. J'ai appris par les politiciens de la place que cette période-là, après l'élection du professeur Alpha Condé, a été marquée par la violation abusive de la On va en Constitution. venir. C'est une autre question. Mais c'est des entraves. Oui, on va en venir. Et le gouvernement de la Troisième République estime que les manifestations et les cortèges doivent se dérouler dans les règles de l'art.
En tant que leader de parti politique, quelle est votre vision du sixième pouvoir? Êtes-vous de l'avis du sociologue qui a dit qu'un pays, que dans un pays où il n'existe pas de bruit ni de manifestation, il n'y a donc pas de démocratie? Je Quelle est suis votre d'accord, vision? je suis d'accord. C'est pourquoi je vous dis que la manifestation, le cortège, les défilés tirent leur source dans la loi fondamentale de 2010, dans son article 10, alinéa 1. Mais vous savez, si vous prenez le cas guinéen spécifique, nous sommes plus de 10 millions de Guinéens. Tous, ce n'est pas seulement les leaders des partis politiques, mais tous ont droit au cortège, aux manifestations et aux défilés. Si on ne réglemente pas, personne ne va manifester. C'est pourquoi la manifestation et les défilés sont encadrés par des lois. Et je prévu par les articles 106, 107 du Code pénal. Je vais vous lire les conditions d'exercice de droit de manifestation et de cortège. L'exercice de droit de manifestation et de cortège est réglementé par les dispositions des articles 106 et 107 du Code pénal. Toute réunion publique, tout cortège et défilé, toute manifestation sur les lieux et voies publiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable, exception faite aux cérémonies religieuses, sportives et traditionnelles. La déclaration doit être écrite et adressée à l'autorité locale 3 jours au moins et 15 jours au plus tard à la date prévue par les organisateurs. Vous savez, ce qui distingue le règne animal de C'est la les société normes, les humaine, règles de ce l'art, sont oui. les normes. Ces normes-là, on se réfère à ça. Et il y a une loi simple qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous faites une déclaration de manifester, l'autorité a 24 heures pour vous répondre si vous devez Faut manifester ou l'adresser pas. au ministre de Non, l'administration on qui est au n'adresse poste. pas au ministre de l'administration. On adresse, si c'est dans à Conakry, c'est les maires de communes qui doivent faire informer directement l'autorité de tutelle, le gouverneur, dans le cas d'espèce. Si le gouverneur interdit la manifestation, vous avez un droit de recours devant la Cour suprême pour excès de pouvoir. Si vous manifestez pendant que vous n'avez pas le droit de manifester, vous exposez à une poursuite pénale qui peut aller de 2 à 5 ans de prison. Ça doit être clair. Parce que la démocratie, ça n'a pas d'autre signification que le principe de respect des droits. Et j'ai entendu dire que le professeur ne respecte pas le droit. On va l'aider cette fois-ci. Puisque ceux qui sont arrêtés maintenant, là, ceux qui sont dans les liens de la culpabilité, si nous respectons le principe de séparation de pouvoir, le professeur Alpha Condé ne peut plus les libérer. Sauf après le jugement, il a le droit de grâce. Mais il ne peut pas agir en amont. Donc ça, c'est clair. Mais ce qui est important aujourd'hui, l'appel que je peux lancer à la jeunesse, Allez-y. c'est leur demander de faire beaucoup attention. Parce que le plus souvent, ceux qui leur demandent de manifester, ils n'ont ni enfants ni femmes ici. Ils ont mis leurs enfants à l'abri des besoins financiers et à l'abri de la sécurité à l'Occident. Pendant que ceux-là qui sont là, on leur demande d'être en conflit avec la loi. Quand ils sont dans les liens de la culpabilité, ils sont incapables de retirer là. Parce pourquoi? Parce que c'est nous avons tous décidé ensemble d'aller vers la démocratie et de faire respecter la loi. Ça a été le credo de combat que nous avons tous mené dans ce pays. Cela doit être clair pour les jeunes. C'est pourquoi je vous dis, depuis qu'il y a des troubles, il y a une association des jeunes pour la défense des acquis de la démocratie qui est née à Conakry, qui doit faire tous les moyens légaux pour faire respecter cet acquis. Parce que nous avons attendu 52 ans pour voir ce jour. Quand vous travaillez dans un champ, si le fruit est mûr, vous ne vous permettrez plus de dévaster ce champ-là avant la récolte. Et ces jeunes ont décidé, et ils ont dit au professeur qu'il constitue le rempart et il l'encourage d'aller vers le changement qu'il a prôné et que les jeunes sont derrière lui. Alors, bon nombre d'observateurs
pense que la Constitution a été violée avec la nomination d'un médiateur de la République, alors qu'il y avait un autre médiateur qui avait déjà été nommé pour 7 ans. Quel est votre point de vue? Oui, j'ai appris, il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ça, que le président a violé la Constitution en nommant un médiateur de la République pendant que celui qui était là était nommé pour 7 ans. Mais je voudrais dire que la Constitution que j'ai là dit clairement qui doit être d'abord nommé médiateur. Parce que le médiateur qui était là ne remplissait pas les conditions pour être médiateur. La Constitution dit que pour être médiateur de la République, il faut être d'abord un fonctionnaire ayant 30 ans de service ou plus, retraité ou non, nommé par le président de la République par un décret pris en Conseil des ministres. C'est clair dans cette Constitution. Voyons le cas de Gourassi Kondé. Je vous apprends qu'il n'a jamais été fonctionnaire de l'État. Il a été contractuel pendant qu'il était ministre. Après qu'il a quitté sa fonction, il n'a jamais travaillé dans la fonction publique. Donc cette règle ne s'applique pas à lui. Deuxièmement, il n'a pas été nommé par un président de la République. Parce qu'il faut, en droit, chaque mot pèse. Sékouba a été président par intérim. Il n'a pas été président de la République de Guinée. Ensuite, il ne pouvait pas assister au Conseil des ministres. Parce que Jean-Marie Doré était le président du Conseil des ministres. Donc il n'a pas la qualité de nommer un médiateur. Ce qui revient à dire, le professeur Alpha Condé n'a pas trouvé un médiateur en place. C'est aussi simple que ça. Le limogeage des conseils communaux aussi, les Guinéens en ont beaucoup parlé. Oui, ils en ont parlé, mais je voudrais lancer un appel aux Guinéens et surtout les leaders des partis politiques. Pour intervenir à la radio, quand vous savez, vous avez des militants qui vous croient, c'est de faire attention et toujours utiliser la loi. J'ai le code des collectivités locales. L'article 77 du code des collectivités locales réglemente ça. Qu'est-ce que l'article 77 du code des collectivités nous dit? On dit le conseil peut être suspendu ou dissous. La suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pour une durée qui ne peut excéder 3 mois. À l'expiration de ce délai, le Conseil reprend ses fonctions. La dissolution est prononcée par décret du président de la République sur proposition du ministre chargé des collectivités locales. C'est une compétence même qui n'est pas liée. Le président de la République peut prendre un décret pour dissoudre le Conseil communal. Le livre est là, celui qui a besoin de renseignements, il peut le consulter. Le ministre de l'Administration du Territoire était l'invité de la rédaction il y a quelques jours. Il a détaillé le point concernant donc le limogeage des conseils communaux. Vous êtes un leader politique. Dans le dernier trimestre de l'année 2011, la Guinée va organiser les élections législatives. Alors, comment se prépare ce scrutin? Bon, je vous dirais que l'élection du professeur Alpha Condé a été un sursaut national pour l'unité. Pour la première fois depuis 1958, tout le peuple de Guinée s'est réuni autour d'un programme commun. Et nous, au sein de l'Alliance arc-en-ciel, est née une idée. L'idée qui voudrait que cette dynamique d'unité ne doit plus s'interrompre. C'est pourquoi nous avons décidé de créer, à l'image de l'ANC de l'Afrique du Sud, un parti politique qui a un caractère national, qui n'a pas un caractère ethnique ou régional, mais je dis bien national, et qui sera ultra dominant. Une fois que le candidat Donc de ce l'arc-en-ciel. parti-là est choisi, c'est fini, il est déjà élu. Bien sûr, pour respecter les règles démocratiques, nous pouvons organiser des primaires au sein du parti. Cela est une réalité. Et je sais que la base partage cette idée. Et c'est pourquoi nous pensons que les législatives, c'est un enjeu mineur pour nous, parce que les résultats sont presque acquis. Makanera Aloussé Nkake, merci d'être venu dans l'invité et d'avoir bien voulu décortiquer l'actualité ici. Merci beaucoup. Ouais, merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.